Vous avez difficile comme truc? Interview? Oh oui! Oh, au secours! Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs. En 64, avec Downtown, une petite Anglaise inconnue devient illico disque d'or aux États-Unis et en Angleterre. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure downtown. Derrière ce succès planétaire, le compositeur britannique Tony Hatch. En écrivant Downtown, hymne au New York by Night, ce chasseur de sons de 25 ans importe à Londres les recettes du Brill Building. Depuis le début des 60s à New York, c'est dans cet immeuble de Manhattan que se fabriquent les plus grands hits américains. Ces tubes sont écrits et produits à la chaîne par des visionnaires maison comme Jerry Leiber et Max Toller, ou l'inventeur du Wall of Sound, Phil Spector, qu'on retrouve ici à l'entraînement, en compagnie du girls band californien The Blossoms. Is making you lonely, you can always go downtown. Peter's little fella, everybody knows. It's during the war. It was a program that the BBC did. Pendant la guerre, il y avait un programme sur la BBC pour les enfants dont les pères, les oncles ou les frères se battaient en Europe. Overseas. Je suis montée sur scène, on m'a mis une boîte pour me surélever parce que j'étais toute petite. Je chantais dans le micro et ils m'écoutaient depuis la régie. Ils m'ont dit, est-ce que tu aimerais chanter et faire passer ton message? J'ai dit oui. C'était la première fois qu'on a entendu ma voix à la radio. En 1942, loin de leur famille, les soldats britanniques découvrent la voix de Petula, alors âgée de 9 ans. Jusqu'à la fin du conflit, celle qu'on surnomme affectueusement Pet remonte le moral des troupes avec plus de 500 enregistrements et des dizaines de tours de chant à travers tout le pays. Je me souviens d'une lettre que mon père avait gardée, d'un soldat qui disait « La voix de Petula sonne comme les cloches de l'église le dimanche matin au village. » À la fin des années 40, Pet sèche les cours et devient la chouchou du Royaume-Uni. Elle chante, danse et fait les beaux jours du cinéma d'après-guerre avec une série de films populaires, The Huggettes. Elle y incarne Pet Huggettes, fille d'une famille de la classe ouvrière. Avec Shirley Temple ou Judy Garland aux États-Unis, Petula est la pionnière des enfants stars. Quand j'ai eu 13 ou 14 ans, mes seins se sont mis à pousser. J'ai commencé à vouloir chanter des chansons plus sophistiquées. Ils n'aimaient pas ça. Alors ils m'ont bandé les seins, m'ont habillée comme une enfant, et c'était difficile. Je n'avais pas d'amis ados parce que je travaillais avec des adultes. J'étais tout le temps en studio, et puis j'étais une star, donc je n'avais pas le droit d'avoir de petits amis. Ça n'était pas marrant. Ça va mieux maintenant. T'es devenue une femme. Enfin. Pour s'émanciper, Princesse Petula n'a d'autre choix que de quitter son royaume. En 57, invitée à chanter à Paris, elle y rencontre son futur mari, Claude Wolfe. Directeur de la communication d'une maison de disques, celui-ci se convertit en impresario et fait enregistrer à Petula des chansons écrites par Boris Vian ou Serge Gainsbourg. Elle part ensuite à la conquête de l'Europe avec des tubes en allemand, en italien ou en espagnol. De 60 à 71, Petula sort ainsi plus de 500 disques. Dans les premiers reflets du ciel,
Quand le label français la libère, elle file à Hollywood. Là-bas, elle danse avec le roi des claquettes, Fred Astaire, chante sous la direction de Francis Ford Coppola avec Peter O'Toole et prend des leçons de showbiz avec le roi des crooners, Dean Martin. Il était génial, mais ultra paresseux. Dean arrivait sur le plateau le jour de l'enregistrement, après avoir fini son golf. Il regardait la dernière répétition et c'est là qu'il découvrait qui étaient les invités de son show. Il venait et nous, on savait tous comment faire. Alors on le déplaçait d'un point à un autre et ça donnait l'impression qu'il était bourré, mais il ne l'était pas. C'est juste qu'il ne comprenait rien à ce qui se passait. En 68, la nouvelle reine de la pop a son propre show télé, le Petula. À l'enregistrement, elle interprète une chanson en tenant Harry Belafonte par le bras. Furieux et terrifié à l'idée de perdre sa clientèle blanche, Chrysler, le sponsor, exige de faire deux autres prises sans, disent-ils, contact interracial. Pour contrer la censure, son avocat fait le forcing dans le studio. Mon avocat a dit, vous allez effacer ces deux prises et ne garder que la première. Le type a dit, je ne peux pas faire ça. On doit tout garder au cas où il y aurait un problème. L'avocat a dit, c'est un ordre, vous effacez ces deux prises. On l'a regardé appuyer sur le bouton et effacer les prises. Finalement, celle qui est sortie, c'est celle où je lui touche le bras. Pour moi, tout ça était tellement ridicule. Enfin, je lui ai touché le bras, et alors, c'est quoi le problème ? Mais ça a fait la une des journaux. Durant les deux décennies suivantes, Petula écume les scènes et les shows télé de l'Amérique à l'Europe, surfant comme ici sur la disco. Domino, l'amour masqué, je dis bravo à ton numéro. Double 6, double 0. Elle s'offre un featuring avec les copains de Kermit dans le Muppet Show et joue dans plusieurs comédies musicales à Londres ou à Broadway, dont l'adaptation théâtrale du Boulevard du Crépuscule. C'est génial! Aujourd'hui, à 84 ans, Petula Clark sort un nouvel album dont est tiré ce single, Sacrifice My Heart. Si on reprenait tout depuis le début, faudrait sacrifier quoi, Petula ? Wow. Le sacrifice ? Il faut se sacrifier si tu veux rentrer dans ce business. Mais beaucoup de gamins essaient d'en faire partie pour devenir des stars. Ils veulent du glamour. Mais il y a un mot pas très sexy qu'on entend rarement. C'est courage. T'as besoin d'avoir du courage. Pour ce qui est du sacrifice, il faut savoir se sacrifier quand on désire autant quelque chose.